m'arrête. Je fais une émission de radio le soir, on ne m'arrête pas. Et puis je dis en plus, il y a plein d'examens que vous n'avez pas fait. Et donc moi qui suis vraiment, évidemment, très compétent en médecine, je lui fais une liste d'examens supplémentaires. Et là où elle est très très forte, c'est qu'elle me dit, ok, on va faire les prises de sang. Mais si jamais il n'y a rien, je vous arrête. Donc ok, j'y vais. Évidemment, vous connaissez la suite. Et donc, 3 jours plus tard, après un week-end d'enfer, je suis allé là-bas, elle m'a dit, je vous arrête, j'ai baissé la tête, elle m'a arrêté. Juste, on va s'arrêter là. Ça tombe bien sur un premier point, qui est, et ça c'est une des parties, je dirais, c'est le premier quart du livre, c'est une partie intéressante qui est les symptômes d'une dépression. Parce que une des choses qui m'a frappé quand on a travaillé sur le livre, et après quand on a commencé à en parler au libraire, il y a plusieurs personnes qui disaient...